Lord Deputy, pardon, National Flag, on en parlera plus tard. Voilà. On va le laisser rentrer. Donc, il s'agit de Lou Deputy. Alors, on parlait d'un frère de, juste avant, c'était Cheyban, le frère de d'Abersim. Voici un autre frère de, Lou Deputy, le frère de Louman, dont vous avez vu, vous avez revu l'exploit dans le prix du Jockey Club, qu'il remportait alors de bout en bout sous la selle de Frankie Dettori. Louman est devenu un étalon les plus convoités d'Europe, qui fait la monte à Ballinstead en Irlande. Lou Deputy, lui, est un fils de Pourmoi. Pourmoi, vainqueur du Derby d'Epsom. Sous l'entraînement d'André Fabre, on n'avait pas gagné, les Français n'avaient pas gagné le Derby d'Epsom depuis Ampury en 1976, un an après ma naissance, ça remonte un peu. Donc. Et donc Pourmoi a remporté ce Derby d'Epsom. Et Pourmoi s'est de nouveau distingué dans ce grand classique, le plus grand classique du monde à Epsom l'an dernier, puisque Pourmoi est le père de Wings of Eagles. Premier vainqueur français du Derby d'Epsom depuis Louis XIV, un truc comme ça. Et le premier vainqueur d'ailleurs du Derby d'Epsom passé sur un ring de vente en France de toute l'histoire. Lou Deputy a débuté sa carrière d'étalon en 2017. C'est donc un tout jeune étalon. C'est le frère de Louman, mais c'est aussi le frère de Lattice qui, elle, a remporté l'équivalent du Jockey Club pour les femelles, c'est-à-dire le prix de Diane. Il est approuvé, issu d'une souche parfaitement classique, un cheval de taille, comme vous pouvez le constater, 1m65, et il fait la monte au haras de Saint-Fray, de nouveau, en 2018, c'est Catherine Savard.